Salut à tous! Et salut la compagnie! Me voici avec le fameux Alex et Boas! On est en plein milieu d'une crête sur le massif des Bauges et c'est parti pour une petite rando bivouac! Allez, c'est parti! Bon, Alex! On va où? On fait quoi? Alors, au programme, nous allons faire l'ascension du mont Julio, situé dans le massif des Bauges, qui culmine à 1700 mètres, on va dire. 2 heures de marche, 600 D+. Ouais, voilà. Facile quoi, c'est pour se décrasser. Alors, ce qu'il ne faut pas dire, c'est que l'on part à 16h19. Bon, donc on part. On va leur expliquer l'histoire. On va leur expliquer l'histoire. On fait la version vraie ou la version fausse? Les deux. La version vraie, c'est qu'on a travaillé dur et qu'on a fait un bivouac, qu'on a fait plein de constructions sur le camp d'Alexis. La version fausse, c'est que ça fait 2 heures qu'on est dans une boulangerie et que l'autre a mangé une saleté de croziflettes et qu'on a eu du mal à se motiver pour reprendre la route pour arriver jusqu'au début de cette petite promenade. Voilà, choisissez la version qui vous convient le mieux. Alexis, est-ce que tu peux nous dire à quelle altitude on est? Nous sommes à 1300 mètres environ. Et là, est-ce que tu connais le nom de ce sommet, toi qui connais bien ce secteur? Alors, je connais bien ce secteur, et là, nous sommes en face du Trello, un magnifique sommet qui culmine, alors je ne sais plus de mémoire, mais c'est au-dessus de 2200, on va dire. Et nous, on se dirige vers le sommet du Julio. Il nous reste, je pense, encore une bonne trentaine, quarantaine de minutes avant d'arriver au sommet. Ça commence à bien monter, donc je vais baisser un petit peu nos bâtons de marche, comme ça, ça me permettra de garder, on va dire, un angle droit au niveau de mon coude. C'est des bâtons de chez Black Diamond qui vont super bien, en plus je vais devoir m'en servir ce soir pour l'attendre, je vous montrerai. Et c'est le modèle, que je dise pas de bêtises, Trail Pro Shock. Et c'est parti, on est sur le départ et j'ai la forme. Le mec m'attend même pas quoi. On vient d'arriver au sommet presque du Mont Julio. On a combien là, mec? Nous sommes à 1580 quoi. Donc 1580 mètres d'altitude. La vue est belle, est-ce que tu peux nous montrer un peu les environs? La vue est belle, donc là on est à un côté massif des Bauges avec le Trello comme je le disais. On a le Colombier derrière. Et puis après on a plus côté réserve naturelle. Et puis là-bas le Roc des Bœufs. Et de l'autre côté c'est plus à Lac d'Annecy et toutes les montagnes environnantes. Le Semnoz, là-bas le gros massif. Pour ce soir, il n'y a pas énormément de place, donc je vais poser la tente ici. Au niveau du matériel pour cette petite rando bivouac, il y a la nourriture, c'est des lyophilisés. On a ici mon petit duvet NeoAir de chez Thermarest. Pour ceux qui veulent voir la revue, c'est sur la chaîne YouTube. Ensuite, on a les sardines. J'ai mon sac étanche avec tous mes vêtements qui va également me servir d'oreiller. Ensuite, j'ai mon petit duvet de chez Thermarest, toujours, c'est le modèle Parsec. Et enfin, la tente, c'est une toute dernière que j'ai reçue récemment, que Zipax m'a envoyée. C'est la Plex Solo, une tente ultra légère pour une personne qui pèse 395 grammes. C'est fait à partir de Dyneema, c'est pour ça que c'est vraiment hyper léger. J'ai testé pour la première fois hier soir sur le campement d'Alexis lorsqu'on a bivouaqué. Et là, je vais la retester en rando bivouac. C'est vraiment conçu pour ceux qui veulent partir avec du matos hyper léger. Et pour ce qui est du module électricité, j'ai une lampe frontale ainsi qu'un petit panneau solaire avec batterie externe intégrée. C'est le modèle Photon de chez Sunstice. Vous connaissez cette marque, j'ai déjà bossé avec eux. Et là, ce petit modèle Photon, c'est un des modèles, je pense, le plus léger et le plus compact du marché. Ça a vraiment la forme d'un portefeuille. Et ensuite, ça se déplie comme un accordéon. Ça caille hein.
Le soleil vient de nous quitter, c'est dingue, on a perdu 15 degrés en l'espace de 2 minutes. Dès que le soleil part, c'est incroyable les chutes de température. J'ai mis la capuche, je vais sortir la doudoune, autrement je vais me les cailler. Et puis j'ai hâte d'allumer le réchaud, faire bouillir de l'eau pour pouvoir hydrater nos repas lyophilisés. Ça fera que du bon au moral. Je me suis emmitouflé, j'ai mis mon pyjama, petite première peau en laine, et là la doudoune qui va bien. Et ça va vraiment aussi ça, faire du bon moral. Ouh! Allez, on est en train de gonfler le petit matelas gonflable. L'avantage quand il y a de vent, c'est que le sac, il se remplit tout seul. Hop, ça m'a l'air pas mal, hein. On peut bien dormir ce soir. Alexis, qu'est-ce que t'as trouvé de beau dans cette petite randonnée? Alors, ce que j'ai trouvé de beau, c'était ton beau fessier qui se déambulait devant moi. Non, ce que j'ai trouvé de beau, c'était déjà belle couleur automnale, c'est vrai qu'on rentre dans une saison qui pour moi est magnifique. Et c'est cool de partager, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas partagé un petit bivouac, une rando et tout avec Dimitri. Profiter du moment présent et tout ça quoi, du moment présent et tout ça. L'avantage quand on part à deux, c'est qu'on peut éviter de prendre deux fois le même matériel. Donc là on a pris qu'un seul réchaud, et devinez qui l'a porté? Ah, c'est moi, du coup c'est d'autant plus pratique pour Dimitri. Merci Alexis. Et pour le dîner ce soir, lyophilisé, je vais me faire une petite fondue. Au dessert, on aura du riz au lait à la fraise. Et à l'apéro, de la viande séchée et puis des cacahuètes. J'adore les cacahuètes, c'est salé, tu sais, c'est plein de kilocalories. J'ai complètement oublié qu'il existait des desserts en lyophilisé. Pour moi c'était repas simple et je me demandais toujours pourquoi j'avais faim. Et toi t'as quoi de bon? Je sais pas, j'ai remis des trucs au hasard. Ça, c'est un poisson patate. J'ai un breakfast. Voilà. Bon, bah ça va, t'es venu équipé quand même. Mais j'ai de la tisane. Ça, c'est important. Allez, petite fondue, et c'est la première fois que je vois ça. En fait, il y a un autre sachet à l'intérieur du sachet lyophilisé où j'imagine il doit y avoir les croutons. Et là, c'est le fromage qu'on va réhydrater. Ça va faire une petite expérience, hein. Fondue en mode lyophilisé, c'est marrant. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent se procurer des repas lyophilisés, n'hésitez pas à aller sur le site partenaire, également du partenaire d'Alexis, lyophilisé.fr. Et pareil, je vous mettrai un code réduction qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur tous les repas lyophilisés, également tout le matériel de randonnée, puisqu'ils font plein de matériel différents. Ça pourra vous faire quelques économies. La fondue, pour vous donner mon retour d'expérience, bah honnêtement, c'était pas fameux. Peut-être que c'est de mon côté, j'ai peut-être mal géré le dosage en termes d'eau. Alexis, un petit mot pour terminer notre petite soirée. Le vent s'est arrêté, finalement, donc on devrait passer une bonne nuit sous cette magnifique, presque pleine lune. Bonne nuit mon gars, à demain. Bonne nuit. Ça y est, c'est le matin, il est 7h10, petit réveil car beaucoup de choses à faire aujourd'hui et je vais ouvrir la tente pour découvrir le petit lever de soleil qui se trouve juste derrière. Et Alexibus, et nous ? Et voilà pour cette petite randonnée bivouac, Alexis. Un dernier mot. C'était cool, magnifique vue, et le soleil se lève tout juste, donc on va replier et partir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne d'Alexis Bruce, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien vers sa chaîne juste en dessous dans la description, il fait des vidéos super sympas. Et de mon côté, alors, quelques petites choses avant de vous quitter. Premièrement, si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bivouac, de rando et de trek, je vous mettrai le lien juste en bas dans la description, c'est gratuit, ça vous apportera pas mal de valeur. Ensuite, pour ceux qui ont l'application Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mettrai le lien juste également dans la description. Et je pense que j'en ai terminé là. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, la vie est belle, il faut en profiter, et à très bientôt! C'est parti !